Allez, salut à tous, c'est MaFamille30 et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Alan Wake. Et la dernière fois où ça va laisser, on avait vu que le ravisseur nous avait entubé. Il veut maintenant qu'on va à Mirror's Peak et c'est ce qu'on va pouvoir faire durant cet épisode. L'épisode précédent, on avait quand même beaucoup eu de chemin à faire. On avait dû aussi beaucoup lire. On a eu des pages de manuscrits, on a eu de la radio, on a eu une émission de la zone X vraiment étrange. On a eu vraiment pas mal de trucs. Et là, on va voir une petite page qui nous dit « Thomas Zane est pris de Barbara Jagger ». Quand Thomas Zane s'amouracha de Barbara Jagger, ce fut le coup de foudre. Elle était jeune, radieuse, belle et pleine de vie. Thomas n'avait jamais été un homme très heureux et elle avait tout changé, tout simplement. Pour la première fois de sa vie, Zane se sentait bien. Chaque chose qu'elle faisait était comme une pièce de puzzle dont il n'avait jamais remarqué l'absence. Et surtout, elle faisait venir les mots avec force et netteté. Barbara Jagger était sa muse. Oh, c'était la muse de Thomas Zane, l'écrivain aussi. Oh, oh, c'est beau ça. C'est beau, et maintenant, cette Barbara elle fait... Enfin, on suppose qu'elle est vraiment la Barbara, mais on sait que la vieille se fait passer pour elle. Mais j'ai déjà les munitions à fond. Au moins, on sait qu'on pourra en récupérer ici. Ça pue. Oh oui, je l'avais dit que ça puait. Ils sont partout. Ils sont partout, et merde. Ils sont blindés en plus. Par contre, lui, aïe. En pleine tête. Dégage. Dégage. Merde. Pile. Recharge. Dégage. Voilà. Par contre, vous savez bien que... Vous arrêtez, oui. Esquive. Il a même pas su l'esquiver. Voilà. Et dégage. Nickel. Et on va pouvoir reprendre des munitions en plus. Si ça, c'est pas beau ça. Quoi? Aïe. Tu pouvais pas prévenir. Saloperie. Non. Tu pouvais pas prévenir, saloperie. Saloperie de saleté. C'est bon? Non, il y a encore ça. Ouah, esquive. Recharge tes piles. Voilà. Putain, ça pue tout ça quand même maintenant. Ça pue un max. Mais alors, vraiment, ça craint à fond. Hein. Il y a quoi là-dedans que j'ai vu? Ah. Des grenades incapacitantes. Ça fait plaisir parce que ça, on peut faire vraiment du dégât de zone avec ça. Regarde s'il y a rien derrière les wagons ici. On peut toujours avoir un truc intéressant. Sauf là. Là, il fallait forcément qu'il y a rien. Sinon, c'est pas marrant. S'il y a toujours tout, ça serait tellement bien. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours quelque chose. Donnez-moi plusieurs pages de manuscrits et tout ça pour qu'on soit... Pour qu'on soit tranquille. Bon, moi, je vous emmerde. Oui, tout passe. Ça. Ok, salut les gars. Salut. Dans le dos. Dépasse. Voilà. Nous, on revient en arrière. Ah. On revient pas en arrière, en fait. Dommage. Ça, c'est pour pas farmer... les trucs de... De munitions. Sinon, parce que vous avez vu tellement qu'il y en a. Hein. On aurait pu se faire... Tellement blaze. J'aime pas ça. Et je me bloquais dans des coins. Je sais que c'est pas bon non plus, mais... J'aime tellement pas ça. Grimper, je sais que je pourrais grimper, mais... Ah, c'est ça. Eh, mais il va réussir à le défoncer. Oula, je préfère grimper, il va réussir à le défoncer au bout d'un moment. Aïe, il va réussir. Il a réussi. Non? Vous êtes sérieux que je joue ça? On le détruit avant, hein. Ah, je serais bon. Voilà. Ouais, je détruis ça avant, quand même. Ah, il y en a encore un. Où est-ce qu'il est? Il est où? J'arrive pas à le toucher. Ah là, j'arrive. Voilà, nickel. J'avais du mal à l'avoir quand même. Aïe. Ah, c'est toi. Allez. Pfiou. Tout juste. En plus, on devait passer par là. On va tenter un peu qu'on se recharge notre vie quand même.
Respire, Wick. Respire, voilà. Voilà, on sent mieux, là. On sent mieux, quand même, là, hein, non? C'est bon? Vous me laissez tranquille, maintenant? Enfin, pendant les 30 secondes, au moins, le temps que je respire un tout petit peu. Est-ce que je peux tirer plus? Non, il veut pas que je respire au moins 30 secondes. Quoi? Oh, non. Mais 30 secondes, je vous demande de respirer. Pas plus. 30 petites secondes. Après, je fais tout ce que vous voulez. Je peux pas compter qui vous voulez, mais... Je vous demande juste 30 petites secondes. Oh, paix. N'arrive pas. Le seul moyen d'atteindre le versant était de traverser le bâtiment. Oh. J'allais devoir éviter de me faire électrocuter. Mais je peux conduire, c'est déjà rassurant. Je peux au moins avoir un véhicule que je vois. Et ça, c'est... C'est une bonne chose. Surtout s'il y a des ennemis. Et il va sûrement en avoir, c'est ça. Ça serait trop facile sinon. Comme de fait. Ah, dégagez. Voilà. Allez, dégagez. Allez, on dégage. Allez, on dégage. J'ai dit. Allez, on dégage. Voilà, nickel. Merci bien. Ça va, niveau vie. Ça se passe bien. Par contre, il faut appuyer là pour ouvrir, c'est ça. Sinon, je peux pas être tranquille. Ah. Par contre, il y a rien à appuyer. Il doit sûrement avoir un truc là. Ou je sais pas, mais là. Par contre, avant, on prend ça, lance-fusée. Ah, un lance-fusée, ça c'est pas mal. Et donc, ça va faire quoi? Ça va couper l'électricité, c'est ça? Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer tranquillement. Et forcément, ça a été à tout. Sinon, c'est pas marrant si ça était pas tout. On peut pas être tranquille du tout. Par contre, on va reprendre le véhicule pour repartir. Hein. Ça, je repars pas sans le véhicule. Tout le chemin à pied. C'est pas que j'ai la flemme de retourner. Hein. Non, cette fois-ci, c'est pas ça. Aïe. C'est juste ce genre de choses qui me fait peur. Aïe. Ouais, bon. On va plutôt tracer. On va pas s'en occuper. Dégage. Vous êtes sérieux? Il s'est cassé pour ça? Mais merde. Je préfère me manger un coup de ça. Quel coup de ça? Aïe. Voilà, comment vous voulez? On va recommencer, mais je vois pas comment vous voulez. Faut que j'arrive à esquiver ça. Comment? Comment je peux esquiver ça? Surtout qu'il est déjà bien endommagé notre véhicule. Pfiou. Comment vous voulez? Par là. Par là. Par là. Merde, je me suis trompé de sens. Aïe. Déglingué. Je me fais carrément mitrailler dès que je sors du véhicule. Ok, il faut faire le même qu'on a fait maintenant. Mais tout en les tuant en fait. Ouais. Faut refaire le même en les tuant. Allez. Il faut juste arriver à les esquiver en fait. Aïe. Et merde. Voilà. Allez, ça continue bien. Surtout lui qu'il faut tuer. Dites pas que. Non, ça va. Si, maintenant oui. Allez. Eh bon, on peut faire. On peut faire ça. Si ça veut bien. Ça a bien voulu. Allez, on se barre. Je cherche même pas à comprendre, on se barre. On est passé. Waouh. On est passé un point de contrôle en plus. Merci. Merci bien. Recharger. Ouais. On va recharger tant qu'on est en paix. C'est bon, on est en paix. Pfiou. C'était chaud. C'était quoi ce bruit? Une porte qui s'ouvre et qui se ferme ainsi. J'aime pas ça. Des bruits de pas encore moins. Y'a quelqu'un qui veut ma mort? Comme de fait. J'avais dit. Non, pas sandwich. Rien du tout.
Ok, 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 ok. On fait pas les malins. On meurt. Toi par contre, le petit... Alors on torche là par contre. Je sais pas qui fait pitié, mais... Tu fais quand même pas mal pitié. Hein. Voilà, merci. C'est ici que je dois aller, merci de m'avoir ouvert le passage. C'est une bonne chose que t'as fait ça. Donc voilà. En plus, je suis munitions à max. Ça, ça fait plaisir. Ici, est-ce que ça va être la même rengaine? On dirait la première zone qu'on était, au fait. Les bâtiments se ressemblent quand même. Salut! Salut, salut, salut! Vous êtes coucou, hein? Non. Laisse-moi tranquille. C'est surtout lui que j'essaie de toi en premier. Voilà. Et vous, je peux vous tuer directement? Moi, je peux vous tuer directement. Allez, tac, voilà, tu me fais plaisir quand tu fais ça. Là, tu me fais plaisir quand tu fais ça. Phew. True no one in the... La vérité est seule dans l'obscurité. Quelque chose du genre. Ouais, peut-être. Oui, non. J'en ai qu'une idée, au fait. Ah bah, c'était bien par là qu'il fallait grimper, au fait. Ok. Pas de vache? Non, y'a pas de vache. Bah non. De toute façon, je suis monté, je redescends plus. Ah, un thermo de café. C'est un beau canapé, tranquille. Comment il peut avoir un canapé ainsi dans une zone ainsi? Moi, je veux pas le savoir. Suivre. Ok, il faut suivre par là. Mais d'abord, la page de manuscrit. On lit. Wake envoûté par l'ombre noire. Certains possédés conservaient des échos de leur ancien moi, mais ce n'était que les dernières convulsions d'un mort. Il ne restait d'eux qu'une coquille vide, remplie d'ombre. Dans la plupart des cas, ces marionnettes suffisaient aux manigances de l'ombre noire. Toutefois, pour l'émission plus élaborée, comme pour l'écrivain, c'était différent. Elle avait besoin de son esprit. Plutôt que de l'engloutir entièrement, elle ne fit que l'envoûter. D'accord, donc, eh ben, Russia nous a outé, nous aussi. Ou ben, comme il dit de suivre par là, bah. On a été. Oui, on vient de là, je suis idiot. Donc, on va suivre. Je crois que ça a pué, mais. Suivons ce chemin. Allons-y, allons-y. C'est calme? On peut être bien tranquille, la famille? Oui, non? Ouais, non, on peut pas être bien, la famille. Hein. Faut toujours qu'il y ait quelque chose, hein. Faut toujours qu'il y ait quelque chose, hein. On peut pas jamais être bien ici, hein. Des piles, on est déjà à fond. Revolver, ça, je suis d'accord. Ah, et ouvrir ça, je suis encore plus d'accord. On va bien attendre qu'elle s'ouvre, de toute façon. Voilà, j'attends bien qu'elle s'ouvre. Forcément. Forcément. Et quand on va sortir, ça va être tellement la merde. Coucou. Y'a quelqu'un? C'est clean? C'est calme? Ou pas tellement? Les grenades incapacitantes ne pouvaient appartenir à une compagnie d'électricité. Non. Ouais. Surtout autant. Ça rappelez-vous, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, ça. Dégage. Ça pue, ça. Ces trucs-là, c'est la merde. Déjà? Ah, c'est par là qu'il faut aller. Donc, on va pas aller par là. Comme vous savez, je vais chaque fois dans le sens opposé de où je dois aller. Pour que ce soit mieux. Ça, on peut le faire ainsi, hein, vous me direz. Voilà. Et on va aller de l'autre côté, voir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre ce véhicule? Non, malheureusement, on peut pas piloter ce véhicule pour avancer un petit peu. C'est juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose ici, comme une page de manuscrit ou quelque chose du genre. Même si on vient d'en avoir une il n'y a pas longtemps, mais... Pour être vraiment sûr, en fait. Non, ça a l'air d'aller, en fait. Il n'y en a pas que j'en loupe. Je voudrais essayer de pas louper plus que une, encore une fois, parce que là... On en a loupé deux depuis le début, je pense, de l'épisode 3, ça va être sûr. On en a quand même loupé pas mal. Ça, je sais. Salut les gars! On est zen, tranquille, comme toi basé. Non? Dégage! Suivant! Tac, tac, tac! Suivant! Merci bien! Allez! Tac! Non, recharge, recharge, recharge! Pourquoi à chaque fois je dois recharger? Voilà! Il y en a encore en plus! Ça fait qu'on continue! Je pensais vraiment que vous me faites peur! J'ai quand même beaucoup là.
Allez, mangez-vous ça. Mangez-vous ça, mangez-vous ça. Non, toi par contre. Toi, tu sais comment je m'occupe des cas comme toi. Ouais. Comme ça. Eh oh. À pas chercher midi à 14h. Je vous bute et c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'il croit, vous? On est calme? On est mieux? Oui? Non, peut-être? On a l'air d'être mieux. Et je vois une page de manuscrit, donc je crache pas dessus. Let's go pour la page de manuscrit. Merci. Cette fois-ci, c'est... Wake et Barry en cellule. Ça pue. Je regardais à travers les barreaux de la cellule. Barry se tenait derrière moi, vacillant sur ses jambes, l'air aussi malade que moi. L'agent Nightingale se tenait de l'autre côté des barreaux, avec le shérif Breaker. Nightingale avait des pages de manuscrits à la main. Il semblait jubilé, l'air dément. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, y compris un complot visant à assassiner un agent fédéral. Mais oui, Nightingale, bien sûr, j'ai envie de tuer tout le monde. Tout le monde, je veux tuer tout le monde. J'ai l'air d'un tueur. Peut-être un tueur donc, comme j'ai déjà dit, mais... J'ai pas trop le choix, mais pas un tueur d'êtres humains, quand même. Même si ils étaient des êtres humains, mais ils le sont plus, donc ça compte pas vraiment. Donc mon arme que j'utilise, c'est pas pour vraiment tuer. Et comme il n'y a pas de sang, ben ça compte pas non. Un corbeau. Un. Plusieurs corbeaux, ça pue. J'ai déjà dit, un ça va. Plusieurs, j'aime pas. Oh non, j'aime pas quand il y en a plusieurs. Et là, il y en a plusieurs. Donc j'aime pas ça. Ça sort la mer, ça sort la mer. Où est-ce que ça va mener ça? Il va sûrement avoir des ennemis après. Ça vous le savez bien. Un bonus n'est jamais là tout seul. Jamais il vient tout seul. Oh oui, je le savais. Je le savais qu'il venait pas tout seul. Ok. Il y en avait deux, trois. Ça me gêne pas d'en gaspiller une. Enfin, ça en plus, elles étaient gratuites. Donc, poursuivons. Donc, je disais tac 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 tac. Allons vers la lumière quand même. J'ai pas été là. Eh ouais, je suis pas monté là-dessus, je pense. Hey! Attendez. Attendez, remettons les choses à sa place. Il faut déjà qu'il y a rien là. Si, il y a un thermo de café. Ouah, j'allais cracher dessus. Je veux pas cracher dessus. Non! On recommence. Je le veux. Je le veux, ce thermo de café. Faut faire un peu de plateforme. C'est pas un jeu de plateforme, mais il faut en faire un petit peu. Ou alors passer par là. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Allez, allez, on l'a. Non, là, là, là. Voilà, nickel. Non, pas là, pas là. Ah oui. Ça c'est quand le jeu, il sait pas quoi faire. Le jeu, il doit pas faire des trucs de plateforme. Si c'est pour bugger assis ensuite, ça le fait pas trop. Non. C'était un saut bizarre. Là, Wake, il était... What? T'es sûr que t'es un être humain, Wake? Parce que là, t'es un peu étrange, on va dire. Je suis déjà plein. Hop. Ça aussi, mais foi. T'as trop de trucs, en fait. Je n'avais pas de véritable plan. J'allais donner au ravisseur toutes les pages du manuscrit que j'avais pour Alice. Si ça ne suffisait pas, je le menacerais d'un flingue et je le ferais parler. Le fusil à pompe. Bah non, je préfère mon fusil de chasse quand même. Je préfère mon fusil de chasse. Jamais aimé le fusil à pompe. Donc, par là, j'ai pas été. Donc, enfin, par là, c'est pas par le chemin là qu'il faut aller. Donc, moi. Ah, il nous dit que si. Ah, si, il nous dit que si, alors de l'autre côté. Si, il nous dit que si, alors on va de l'autre côté. Ah, mais il veut bien aller aussi de l'autre côté. Non. Je t'ai vu, mon ami. Waouh, vous êtes. Ok, je vais même pas chercher à comprendre. Un petit coup de ça. Et voilà. Voilà. On cherche pas à comprendre. Hein. Et il en reste un dernier que j'avais vu. Voilà. Ni. Quel. Ça. C'est fait. Ils vont pas aller des deux côtés, je vois. Assez perturbant ça. Mais c'est lequel surtout qu'il faut aller? Je sais pas ça. Il va l'éteindre forcément. Ah non, même pas. Allez, crève.
Esquive. Voilà, faites-vous toucher. On crève. On... Non, recharge. Excuse-moi mon ami. Hein. Aïe. T'es pas obligé de me toucher. Mais il est déjà allumé. Ah, rallumé mieux en fait. Ouais. Si on le rallume mieux, c'est toujours... Bah mieux quand même. C'est toujours mieux d'allumer mieux. Donc il faut aller par où? Je sais pas, mais moi je vais par là, puisque... Ah! Par contre, on m'a prévenu que... Il y avait des ennemis. Et qu'il y en avait un qui fonçait sur moi. N'est-ce point? Je crois que je vous avais pas vu. Salut! Excuse-moi, je recherche. Qu'abord, je te ça. Voilà! Merci bien. Et j'avais vu un beau petit thermo de café, donc... ça, comme je vous ai déjà dit, je crache pas dessus. On en récolte quand même pas mal, et ça c'est bien. Et une grenade incapacitante. Et des munitions de lance-fusée. Ah oui, toi tu rentres dans le bâtiment, carrément. Ah oui, t'es... Vous êtes des assis, vous. Vous êtes des assis. Ok. Ok, ok, ok. Esquive. Voilà. Merci bien. Maintenant, on me laisse tranquille, s'il vous plaît. Des fois, je voudrais bien être en paix. Comme là. Comme là, je voudrais être en paix. Là, vous me laissez en paix. Maintenant, je peux poursuivre. Ils veulent pas. Mais... Où ça? Mais. Vous êtes tellement. Ouah, tout juste. Ah! Merde, je me suis trompé. Oups! Pardon! Esquive, esquive. Voilà. Elle a encore un coup et c'est bon. Et bon, nickel. Par contre, munitions là, on se sent pas bien. Là, je l'avoue, je me sens pas tellement bien niveau munitions. Hein. Mais alors, pas des masses. Ah, en fait, ça s'éteint au bout d'un moment, c'est vrai. Ces trucs-là, ils s'éteignent au bout d'un moment. Est-ce qu'on va savoir atteindre celui-là avant que les ennemis arrivent? Ça, je sais pas. Allez, allez, allez. Peut-être qu'on sait l'allumer. C'est bon, on a su l'allumer tout juste. Dégage. Dégage. Là, que j'ai vu en furtif. Je me disais bien que je l'avais vu. Ok, j'ai plus tellement. Dégage. Aïe. Voilà. Un peu de pile. J'ai plus que ça, vous me direz. J'ai plus de munitions de revolver, donc... je serais pas allé trop loin. Par contre, si je parle à ça m'amène... Est-ce que ça va m'amener à... une page de manuscrit ou un truc du genre, ou c'est juste pour faire le tour? Il n'y a pas la moindre idée, en fait. On va dire que ça m'amène nulle part, que c'est juste pour faire le tour. On va dire ça parce que je stresse de trop. Je veux atteindre la lumière là-bas pour être tranquille. Ouais. J'ai bien envie d'être tranquille, moi, je dis. Je mérite la tranquillité, là. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on apprend de Mirror's Peak. Justement, au prochain épisode, on pourra découvrir ce qui s'y déroule là-bas. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, pour dire votre avis, et à laisser un petit j'aime pour faire connaître ce let's play. Et sur ce, je pourrais vous dire à la prochaine, et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!